Cette semaine, ma mère m'aide à décorer mon appartement au magasin 1$. Le but, c'est que ça coûte le moins cher possible, mais qu'on sente quand même la magie des fêtes, parce que... Depuis que mon coloc m'a quitté et que je suis de nouveau seule dans mon appartement, il manque de magie. En vrai, je suis plus habituée, genre, d'être seule. J'étais correcte avant, fait que je vais être correcte. À chaque fois que ça commence à être genre le mois de novembre, je sais pas pourquoi, là. En octobre, je suis comme quand même correcte. Dès que ça arrive le mois de novembre, qu'il commence à faire gris pis tout, de la misère. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Pourquoi tu jases? Comme si je puais, genre! Je pense que Farla vient chez nous à soir. Je vais l'appeler d'ailleurs. Pas sûrement que je suis fucking triche. Allô? Il avait parlé. Oh! Et lèche là? Quoi? Et où? Franchement, ça tombe pour vrai! Décollisse là. Hey, it's just fighting with the toaster! Parler s'en vient, mais elle amène son chien. Le problème dans tout ça, c'est que Ernie est là. Puis il a déjà vu des gros chiens, mais comme il a eu fucking peur. Mais là, c'est vraiment un petit chien. Ça va bien aller, mon bébé. Je suis allée chercher Farley et son chien que j'avais jamais vu. Je sais pas à quoi je m'attendais exactement, mais surtout pas à un regard comme celui-là. Ton petit poussi, toi. Il est correct? Oui, oui, il est juste stressé. Qu'est-ce qui se passe avec tes yeux et toi? Ils sont gros! Moi, j'ai hâte de le voir avec Ernie. C'était l'heure de la rencontre chat-chien. Je m'inquiétais pour mon chat, mais avoir son chien, je pense qu'on est good, la gang. Look at your friend. Oh! Oh, he's leaving. Mon chien, il a peur. Oh! Oh! Il a tout le poil hérissé, le pauvre! Il a l'air de raccoon comme ça. C'est correct, Ernie? Mon chien a plus peur que Ernie. Mais en même temps, ton chien, il n'arrache, là. Vraiment. Charlie est venue chez moi, mais là, elle quitte. Elle s'en va, puis moi, je m'en vais chez Cheyenne. Fait que tu t'en vas dans combien de temps? 10 minutes. Ok, tu feras le ménage avant. Parce que Lewis le fou, il est chez les gars. Ils m'ont invité pour stream, fait que... Ce segment ascenseur vous est présenté par... Likez et abonnez-vous. Merci. Salut! Hey! Cette nuit, man, il s'est passé quoi dans l'univers, big? On est éclaté. C'est sûr, il doit y avoir d'autres mondes comme nous. Quoi, est-ce que t'es vraiment fatigué? Oui! Pour vrai? Oui, oui, oui. T'es oui. Éclaté aujourd'hui. Hey, j'ai vraiment eu de la tête toute la petite journée. Genre, c'est vraiment dur en ce moment, là. Oui, 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 vraiment. J'ai bien fait mou, calice. Ta gueule, Alex. Hey, tu veux manger quoi, toi, à soir? Persian food. C'est quoi du Persian? Oh! Je sais pas pourquoi je crave ça. C'est quoi du Persian? Oh, t'es raciste, là. Non! Mais c'est quoi ta nourriture et maragne? Oh, là! Fait qu'on s'est fait livrer notre souper et pour vous donner une idée à quel point les trois on était dans un vibe fucké, checkez ça. On mange la bouffe iranienne. C'est bon. Pow! La bouffe iranienne. T'as plus, je me replace la poche. Bref, ça volait pas haut cette soirée-là, mais bon. Là, je vous présente ma grande sœur. Ma sœur, ça vient voir mon appart pour la première fois. Ta mère, ta sœur vient! Salut! Ouais, c'est ma boss Zélie. Je vous présente ma soeur! Pardon. Jess! Est-ce qu'on s'en ressemble? On va monter les tables! Ma soeur va monter mes tables de nuit pendant que j'y ai compté mille et une affaires. Ah! Spider-Man! Spider-Cat! Spider-Cat! Et après, on s'est attaqué à la base de lit. Ça, on l'a fait ensemble, sinon j'en aurais entendu parler pendant 10 ans. On a fini! T'as rendu, il fait noir dehors, ça a pris du temps. Ta-da! Faut juste que je teste quelque chose. Oh! La petite touche finale. Wouh! Je suis contente. Ma soeur est partie, je vais appeler Gab Gagnon pour lui montrer mon lit. Ça va? Ça va, ça? Ouais. C'est bien. Pour vrai? Oui, c'est pas si pire pour vrai.
juste te dire, j'ai fait quelque chose. Hein? Je vais te montrer. C'est une pute. Bonjour, c'est moi la pute. C'est quoi ta main? T'es fucking beau. Ah, on oui? voit pas la lumière, non, en arrière. Ouais. Je sais, je suis en tabarnak. Je pense pas, mais bon. Ah, fait. Là, la fête, ça va peut-être un petit peu plus de bruit, vu qu'il est sous-traité. Mais je suis fucking tout seul, anyway, fait que... Oui, en effet. Ben, il a parlé, des fois. Donc, ça va vraiment être correct. On saute au lendemain, c'était le tournage Devine qui est le rappeur. Puis avant le tournage, il a fallu qu'on teste quelques jeux. Puis petit inédit pour vous, il y a une ronde de Fuck, Marry, Kill qui a pas fait la cote. Kill sexy red. Mais elle a une chaîne qui dit big sexy. Ouais, mais ça c'est juste pour comme, c'est comme un gaslight. J'aime Mary Ice Spice et I fuck Nicki Minaj. Nicki Minaj. Nicki Minaj. Nicki Minaj. C'est pas Nicki Minaj? Oh, c'est Cardi B. Non. C'est Cardi B? Attends, oui c'est Cardi B. Non. Moi je l'aime. Non. Tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais leur donner des mots qui vont devoir rap genre avec le mot. C'est les fesses. Tes fesses sont fucking belles. Sors-moi ta baguette. Yo, ta baguette est belle. C'est pas bon. Attends, t'as vu, ça se pousse, me concentre, ok? Yo, bitch, t'es fucking menteur. Bitch, t'es fucking pas nice. Hey, t'arrêtes pas de me mentir tout le temps. Yeah, yeah. Yo, Shine, c'est le best. Yeah, yeah, yeah. Il fait fucking des nice vidéos. Yeah. En plus, il fait fucking du YouTube. Il fait la money. Yeah, pour s'acheter de la poutine. Même s'il peut québécois. Yeah, go l'Iran. Et mon tour. C'est toi, faut que tu fasses le bruit en arrière, le beat. Là. YouTube, yes, moi je fais des vlogs sur YouTube. Ah, je fais des vlogs sur YouTube. Bah, je suis une petite white bitch. Ah, je suis une petite finesseur. Parce que je paye pas mes impôts. Oh yeah, j'ai plein de cash. Je dépense dans la poutine. Et j'ai plus de. Je pense qu'on va arrêter là. Oh. On a compris. Tu peux enlever ton capuchon. Maintenant qu'on a testé le jeu et qu'on est convaincu que ça va créer un malaise pendant le tournage, j'ai décidé d'aller me brosser les dents aux toilettes et Farley m'a suivi. Faut chier quand même. Oh. Ok. On a shoot la vidéo avec Roger comme invité. Le shoot a super bien été. Vous irez voir la vidéo. Je suis avec Farley et Cupie Queen. On s'en va le nouveau Hunger Games. Genre, c'est la première au Québec, là. Regardez! C'était full cool. Ils nous ont même donné des petites pins pour qu'on se sente comme Katniss Everdeen pis tout. Merci! Moi, j'ai lu tous les livres, j'ai genre écouté tous les films. Comment je le fais? Moi, je lis pas, mais j'ai vu les films. Moi, en fait, je sais pas. Je lis même pas mes livres de cégep obligatoire, fait faut vraiment pas m'en demander. Same. Décollis, je passe. Ah, j'ai fini mon cégep, ta gueule, au pire. Quand tu commandes le popcorn, genre, parle pas français, ni anglais, ni whatever, puis genre, ça va essayer. Ah, ouais. Pourquoi? Il va rien comprendre? Justement. Je pourrais jamais avoir mon popcorn. Ben là, c'est vraiment gênant, là. Toi, Philippe? C'est one, right, what? You can talk to me in English, that's fine too, if you want. pop-up, la, ça. Le pop-up 1? C'est, oh, voilà, ça, et voilà. Là? Hein? Ok, ouais, le numéro 1. Ça va être à vous? Parler? Fait? Je te jure, je m'en allais par contre. Mon téléphone était proche. Attends, j'en ai un autre. Je peux payer pour vrai. I'm gonna have to pay. Why? Yes! Et ça, les amis, c'est comme ça qu'on fait semblant d'avoir perdu sa carte de crédit pour faire payer son ami raton. Anyways, on s'est rendu à notre salle et on a pris une belle photo devant l'affiche du film. Vous pouvez passer. Et ça, y a pas de personnage qu'on connaisse l'affiche. Excuse me, is the adult alone? Quoi? Is the adult alone?
C'est une caméra. I'm gonna turn it off. Yeah. I'm not gonna film the movie. Thank you. Yo, shout out Hunger Games. Shout out Peter, man. Go Katniss. Moi j'ai vraiment aimé là. C'était long, mais c'était bon. Mais ouais, dans le fond, un film c'est avant toutes les Hunger Games, genre qu'on connaît avec genre Jennifer Lawrence pis tout. C'est genre le avant. On voit le, comment le président Snow est devenu genre. Moi j'ai vraiment aimé. On est retourné à la maison où il y avait Cheyenne et Cocotte qui étaient restés pour filmer une vidéo YouTube, mais il aurait quand même voulu voir le film, tu sais. Fait que, hey, on est pas conne. On a décidé d'en beurrer bien épais là, tu sais. Non, moi pourrais genre 12 sur 10, là, c'était fucking bon. Genre, vous avez vraiment manqué quelque chose, là. Genre, c'était pourrait comme, vous auriez du vin. Vous, c'était-tu nice la vidéo? Gros flop. Oh. Le film, il était fucking bon. C'était tellement bon. Vraiment. Tout le long, j'avais les yeux rivés de même, j'étais comme. Ouais. Vraiment, moi aussi. Mm-hmm. Ouais. Genre, on pensait à vous, puis on était comme, oh my god, genre. Genre, c'est comme un de mes films préf maintenant. Ouais, 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 ouais. Ouais. Bon, ouais. Ben, good. Comment? Vous irez voir le film, c'est quand même vraiment très très. Ok, on a compris. C'est beau là. C'est vraiment chill. C'est fucking bon. Moi j'ai vraiment aimé. Tout le monde était là. Il y avait Roger, High Class. Il me semble qu'on a croisé aussi, c'était quoi son. Céline Dion? Ouais. Elle était là avec Tupac. Bref, on a fini par changer de sujet et le lendemain c'était le jour J où je décore mon appart avec ma mère. Mais avant, ça me prend un café. Classique. Hi Alex. Ils sont tous bons. Ouais? Oh, j'ai pris un verre. Ah, il est moins bon. Breakfast. Alex, il voulait pas de café? Je vais prendre un café chez nous. En marchant pour aller prendre notre café, on a vu une fille qui laissait son chien trop cute dehors pendant qu'elle allait à l'intérieur. Fait que vous pensez qu'on a fait quoi? Oh, very cute. Elle est rentrée en dedans tout le temps. Elle était rentrée en dedans, on était là. J'ai frette aux mains, putain de merde. Bloguer l'hiver dehors, est-ce que j'ai frette aux mains? Ben, je peux vraiment m'acheter des gants. J'aime ça quand il fait vraiment froid puis je peux plus sentir ma couille gauche. On fait souvent genre des paroles positives maintenant. Quand on marche dans le frette, on est comme, ah, j'adore sentir le frette en ma craque de Bonjour, je vais prendre ce qui coûte 20$ sur le menu. Mini, mini, mini salade! Un mini café! Est-ce que tu vas décorer ton appart? Non. Pourquoi? Pas de temps. D'argent. Dolorama? Ça va être laid, non? Attends, tu penses qu'au Dolorama, ça va être laid? Merci! On a pris notre café entre amis. Ben, couple et amis. Genre, eux, c'est un couple, mais moi, je suis l'ami, là. Malaise. Puis finalement, je suis retournée chez nous parce que. Ma mère est là. C'était qui fait frette, pis j'ai mal au ventre à cause de 5 lanounes. Oh, pourquoi tu l'as enlevé? Pourtant, c'est beau. Je sais que c'est beau, mais. Hey, la zazon! C'est comme ça que les piétons meurent, esti. C'est ça, c'est pas Dolorama. Dolorama. Comme un dollar, on dit tout Dolorama. On dit Dolorama. On va chez Dolo. On fait Dolorama. Mais au moins, c'est pas aussi bizarre que dire McDo. Quand il y a pas de A. Ah. Il va-tu avoir un stationnement où c'est qu'on va ou faut se trouver une place dans la rue, non? Oui, c'est stationné comme un attardé. Voyons, t'es-tu capable de qu'on lisse? On est rendu au Dolorama. J'aime ça les décorations drôles. Fait que si tu vois une décoration, t'es comme. Prends-la. Ok, on est parti! Et
Est-ce qu'il y a des belles choses chez Dollarama? You're coming home with me. J'ai goût d'acheter ça. Imagine Ernie se bat avec. Mais il me semble qu'il y a le coup cassé, mais... C'est fait frapper par un chat. J'ai décidé qu'il était là finalement. Oh là là. L'écran l'envers. Oh oh oh. Oh 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 oh. Ok, j'arrête. On trouve un beau sapin. Tu veux le mettre où? Dans mon appart. Bruh. Lui est cute. Ouais, on dirait que c'est de la Colombie-Britannique. C'est vrai qu'il est joli. Mm-hmm. Pourquoi la Colombie-Britannique? Ben parce qu'il y a l'air d'un gros séquoia de là-bas. On dirait que genre il s'est fait faire la chasse. La quoi? La chasse! Un petit dégarni. Un petit dégarni. Oh, petit. Ben non, c'est correct. Moi aussi, je suis une petite dégarnie, là. Pourquoi t'as ri? Petit chien. Tu sais, les petits canards, là. Les jouets de bain, là. J'en avais vu, mais genre de Noël. Puis là, j'aimerais ça qu'on les trouve. On a trouvé le sapin, ça va être ça. Après ça, il va falloir trouver des trucs à décorer pour mettre dedans. Mais là, le prochain truc sur notre liste, faut trouver les petits canards. Oui. Oui, on va trouver les canards. C'est le Père Noël? Pendant que ma mère parlait au Père Noël, je me suis mis à chercher mes petits canards de Noël. Sauf que moins je trouvais, plus je voulais désespérément les trouver. C'est comme un cercle vicieux toxique, là, tu sais. Je le sens qu'on va le trouver. C'est-tu son où? Parce que genre, j'y rêve pis tout, là. Les canards de Noël. Ouais? C'est une très bonne question. Des fois, ça se passe, la personne n'en soit plus jamais. Ben, ça se peut que vous les ayez toutes vendues parce que c'était vraiment beau. Bref, on a fini notre magasinage sans trouver mes canards, mais je ne m'avoue pas vaincue là-dessus, OK? Je vais les trouver un jour. Donc, ça m'a coûté 56 $. On va voir si mon appart va être assez vibe Noël pour 56 $. Je pense que ça peut être quand même pas pire. Mais j'ai hâte de voir le résultat final. Ça va être broche à foin ou ça va être genre Gucci Prada, genre? Ça va être Dollarama. On est à... on est arrivé. On va mettre le... Ding, ding, ding. La musique de Noël. Puis on va décorer mon appart. Je me suis acheté ça chez Dolo. Un gros foulard parce que genre, moi je gèle là. C'est quand même cute, genre. C'est laid. Merde, on dirait que j'ai acheté un gros prépuce. On dormait. Non! On a terminé les décorations. On va faire une visite guidée. Joyeux Noël. Ici, on a une belle boucle. Entrée. Un bonhomme de neige. Un trou pour regarder dans le trou. Des lunettes comme des lunettes. Regarder dans le trou. Ça marche aussi que ça, mais c'est pas. Mon sapin! On a oublié d'acheter une étoile, donc on a mis le pingouin. Ouh! Faux pingouin. Avez-vous déjà eu un sapin de Noël, donc? Oui, oui. C'est mignon. J'avais un petit bon de Noël pour Ernie. Miaoui Christmas. Ça veut dire Miaoui Noël. Ça, c'est ma chaise, l'ordi. Ensuite, un casse-noisette. Mon petit lutin. Mon cochon, là. C'est plus vraiment une décoration de Noël parce qu'il est là à l'année longue, là, parce que mon chat se bat avec, mais bon. Regarde. Et ensuite, ça. C'est tout. Tu sais, on se demandait si ça allait faire genre Gucci Prada ou genre cheap. Je pense que ça fait cheap. Plus qu'on s'approche des Pères Noël, plus qu'ils ont l'air mal en point. Je sais pas ce qu'il a vu au pôle Nord, mais ça fesse.